Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour ce 13e épisode, si on peut appeler ça épisode, de la série Les Jeux du TS sur Kart Rider Drift en compagnie de Farah. Kart Rider Drift. Je l'ai bien dit là, c'était pas bien. Le Kart Rider, t'as failli le chier. Non, Kart Rider. Justement, je me suis bien concentré pour bien le prononcer parce que c'était mon anglais, c'est pour avoir un bel accent. Du coup, on se reprend justement pour cet épisode. On n'est que 4, parce qu'en fait, sinon, c'est limité à 4, le jeu, donc ça tombe hyper bien, j'ai envie de vous dire, parce que sinon, on aurait été mal. Et en l'occurrence, je précise, viewers, que cette série a pour but de faire participer tous les gens qui veulent participer, en fait. Hein. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas réservé que, on va dire, à mon entourage, entre guillemets. Hein. Donc, vous êtes libres, les viewers, les joueurs, enfin, qui vous voulez qui regarde cette vidéo, de nous rejoindre pour les jeux du TS. C'est une série pour vous et pour nous, hein, mais au moins, vous êtes libres de pouvoir nous rejoindre. Vous avez un lien pour rejoindre l'agenda qui va vous dire en fait quels jeux on compte faire dans les semaines qui viennent, sachant qu'on essaie de faire à peu près un jeu par semaine, mais encore une fois on essaye, hein, c'est pas garanti à 100% que ce soit toujours toutes les semaines. On essaie de le faire actuellement, c'est le jeudi, là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on essaie de faire ça tous les jeudis, à peu près. Mais ça pourrait être amené à changer. C'est pour ça que je vous invite à aller voir l'agenda qui est en description, enfin l'agenda, surtout le forum qui est en description, et dans le forum vous aurez le lien vers l'agenda, voilà, tout simplement. Donc un jeu qui, encore une fois, est gratuit, parce qu'on essaie de faire des jeux quasiment que gratuits, ou des jeux que tout le monde a, hein, globalement, des jeux super connus. Hein. Un maximum, évidemment, pour justement vous puissiez rejoindre sans forcément acheter un jeu, ou que vous n'ayez pas le jeu au cas où. Donc voilà, soit très connu, soit gratuit. Et en l'occurrence, ce jeu est un jeu free-to-play, dispo depuis début janvier 2023, donc il est tout récent. Et il est plutôt pas mal, de ce qu'on a pu essayer, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt prometteur. C'est sympathique. Voilà. Donc on va à la fois le tester et à la fois jouer. Nous on a fait un petit tour déjà pour voir. On a un petit peu customisé nos voitures comme vous voyez. Même si on n'a pas tout compris, je vous avoue, parce que c'est un petit peu complexe. Enfin, pour moi c'est un petit peu mal ergonomique, j'ai envie de dire. Mais ça se fait quand même, puisqu'on a quand même réussi à avoir des véhicules. C'est juste que si vous les changez de couleur, par exemple, quand vous êtes dans un groupe, on peut pas. Ça, je sais pas pourquoi, mais il faut sortir du groupe, changer la couleur, revenir. Bon, il y a des petits détails comme ça, mais sinon globalement ça se fait bien, les graphismes sont plutôt sympas, la musique est quand même plutôt sympa, même si elle est un peu entêtante. Et on a quand même pas mal de circuits, puis évidemment on joue en ligne avec d'autres personnes. Et surtout les cross-platformes. Donc il y a des gens qui jouent sur Switch notamment, c'est ça? Que Switch, oui. Vous avez vu? Non, il y avait aussi. Switch, portable, téléphone. Même si on n'en a pas croisé, téléphone. Peut-être les consoles. Il y a Launcher aussi, il y a Launcher. Alors Launcher à eux. Et Minitel aussi. Bon, en tout cas, nous, on joue sur Steam, hein, voilà, pour les viewers, hein, si ça vous intéresse. Voilà. Ok, est-ce que j'ai tout dit sur le jeu? On peut même y jouer sur Bebop. Les jeux, ouais. J'ai tout dit. Ça vous convient? Je pense. Ah si, il y a un truc super important, j'oublie de le dire à chaque fois. Venez sur TS. Alors déjà, venez sur TS, évidemment, oui. Parce que c'est le but des jeux du TS, d'où le nom. Et aussi, il y a un vainqueur. Alors là, je sais pas si ça pourrait s'appliquer ou pas. Non, voilà, ça sera nous. Non, vu que c'est une équipe, mais... Pas forcément. Ah oui, alors oui, on est en équipe, donc du coup, c'est vrai que si on s'entraide, c'est un peu chiant. Exact. On verra si on peut pas faire des parties après l'un contre l'autre, juste pour déterminer un vainqueur, histoire qu'on ait une coupe. Parce que normalement, il y a une coupe qui est décernée aux joueurs qui gagnent. Il y a une seule personne qui a cette coupe, enfin, une ou deux si jamais il y a égalité. Et elle est valable jusqu'au prochain jeu du TS, où là, la coupe sera remise en jeu pour celui qui gagne, encore une fois, le jeu suivant, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant, donc c'est pour tout le monde, c'est pas que pour nous, hein, les membres du staff. C'est pour n'importe qui participera au jeu, qui pourra avoir cette coupe, donc c'est toujours intéressant, toujours sympa d'avoir un petit item sur TS qui vous félicite pendant au moins une semaine, enfin on espère au moins une semaine, de votre victoire, voilà, simplement sur le jeu. Ok, cette fois j'ai tout dit, cette fois on peut y aller? On peut y aller. Et bah c'est parti. Alors, pour les viewers, hein, c'est une copie hein, globalement de Mario Kart, hein, sans citer le nom. Voilà, donc on a juste... Le jeu à la peau de banane, dirait l'autre. On avance, ouais. On recule, on fait droite-gauche, on a des bonus. Les bonus, on peut en avoir deux, on peut changer entre les deux, et comme Mario Kart d'ailleurs aussi. Pour dire, je peux... Là, on va partir sur le mode d'objet qu'on a testé, donc avec des objets. Il y a aussi un mode course, où c'est juste une course classique. On pourra en faire un test, pourquoi pas, après. Oui, on va faire un test. Les parties ont l'air super rapides, les viewers, donc on a le temps d'en faire plusieurs. On s'arrête quand on veut, évidemment, on essaye de faire une vidéo autour d'une demi-heure. C'est 3 tours, je pense. C'est ce qu'on essaye de faire. Peut-être que pour le moment, ouais, on a vu 3 tours. Après, ça dépend s'il y a des circuits plus grands, mais je pense que ça reste en globalité 3 tours. D'accord. Donc, moi et TVH, on est descendu au dernier moment, c'est pas pourquoi. C'est pavé. Alors, il y a un boost aussi, il y a un boost, c'est les viewers. Donc, je disais, il y a des bonus. Ah bah, on peut déraper aussi, et il y a un boost de démarrage, comme ça, voilà, ce que je viens de faire. C'est un peu pour à chaque fois, c'est bon. Alors ça c'est la course de base, donc c'est la course la plus facile. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait, mais moi je prends les bonus. Il y avait un S, il y en avait deux, j'en ai mis deux. Ça
ça vous a fait mal? Tiens, bah tiens, heureusement que j'étais invincible. J'en ai mis. Ah bah tiens, notre équipe, elle est magnifique là. Elle est magnifique, notre équipe. Oh putain, protection encore là. Ouais, j'ai l'impression que vous avez vu en bas à gauche. Et là j'ai une soucoupe volante, c'est quoi la soucoupe volante? C'est 5000 soucoupes sur TVH. Oh là, d'accord, j'ai pris cher. Voilà, donc ça c'est deux. Ok, ça c'est fait. Alors je crois vous avez vu les viewers, j'ai eu une espèce de missile à tête chercheuse. Le missile à tête chercheuse m'a permis en fait de faire ça déjà. Et de rester aspiré par le premier, par Rick. Oh, il s'est menti sur moi. Ouais, par contre là, attends, ça tombe plus aussi. Ah, et on peut se protéger, c'est là j'ai un. C'est que t'as des petits rétroviseurs qui se mettent. Oui, quand tu. Une bombe d'eau, donc ça c'est pour toi, c'est pour toi, merde, désolé. Ah, je suis. Voilà. C'est moi qui l'ai balancé. Les bombes à eau et les bananes, ça touche tout le monde. Ok. Donc je disais, j'ai eu un missile, il a cherché le premier, il a fait demi-tour parce qu'on était tous premiers. Heureusement que j'ai mis le H juste avant de me taper le mur. Ouais, j'ai vu ça. Le monde me passe devant là. Alors je le garde au cas où. Alors j'ai une banane. Je vais mettre une banane, attention, en plein milieu. Hein. Vas-y. Attention. Une deuxième banane en plein milieu juste après, en pleine ligne droite. Bon, ça va les faire chier un peu, mais. Je vais me la prendre ça. Alors le virage, on a pas besoin de déraper, les virages. Vas-y. Encore une banane en plein milieu de la route, sur le pont. Ah, bah il y a quelqu'un qui s'est pris. Il y a un camion de pompier qui s'est pris. Voilà. Eh hey, vous avez remarqué tout de suite qui était le plus beau, qui était le plus fort, c'est le grand. Moi. Bien joué. Alors, vous remarquez au passage qu'il y a des petits logos hein, sur nous. Alors, moi, N comme nul, Rick comme racaille. Hein. Bon, ouais, moi j'ai mon fun club avec moi, toujours. Et ils ont pris grosement les gars. Mm. Et là, c'était défaite totale, là. Humiliation. Voilà, le toi, temps. Ah, tu vas me dire, Rick était limite. Il y avait une demi-seconde avec le suivant, Rick. Mais bon, les autres, encore après. Voilà, et devenez une légende, voilà, vous l'avez en gros plan. C'est ça la miniature que je vais mettre, devenez une légende comme ça. C'est tellement rare. Hein. Alors, est-ce qu'on en fait Ah d'accord, vous faites allez, très d'accord. Je suis déjà prêt aussi, moi je reste dans le véhicule. Alors, voilà. Mode objet, on fait une autre course T'es bien chouné? Oui, c'est en cours. C'est en cours. C'est la même chose. Oui. D'accord. Alors j'ai vu au passage. Moi, après vous voulez faire une mode vitesse, donc juste course. Question de la con. J'ai pas mal celle-là dans la forêt, on a pas fait encore. J'ai vu qu'on pouvait aussi changer la facilité du truc en mettant par exemple la route là où on doit passer et mettre des barrières pour éviter de tomber. Vous l'avez pas activé, ça, on est bien d'accord, vous avez tout enlevé, vous avez fait le mode normal, classique. Oui. Non, on est en automatique, je crois. Putain, la tête qu'on a, sans déconner, regarde celui qui a la tête de tortue là, il ressemble à rien. Ah, j'ai raté mon bus. Oula, oula, oula. Alors, il y a des petits. Je crois des problèmes de synchro aussi, hein. Et il y a le. Il y a clairement le. Comment le. L'aspiration. Alors, l'aspiration pour les viewers, je vous rappelle, c'est quand vous êtes derrière un véhicule, vous n'avez pas les frottements de l'air parce que celui qui est devant vous pousse l'air. Il était temps que je vire. Ah. Tiens, attention, je balance une autre d'eau, hein. Ah, tiens, oh non, parce que pas tout en fait. Ouais, tiens, mais c'est celui qui est à côté. C'est moi. C'est moi. D'accord, un autre, sur le rat là. Attention. Ah, je l'ai eu, yes. Voilà. Allez, Farah. Le rat. Attends, j'ai un pouce là. Je sais pas ce que c'est. Ça. Je pousse aussi un Farah. Ça a poussé. Ça a bien poussé. Tiens, une petite protection pour nous. Et encore une protection. Je sais pas si ça aide, mais je vais pas. Moi j'étais ralenti. Oh putain, ouais. J'ai pris le truc juste après la protection. Alors là, on est équipe bleue, vous avez remarqué cette fois? Bon, là on avance pas là. Non, moi je suis toujours 7ème depuis bien longtemps. Il y en a qui a essayé de. Ah oui, il a essayé de niquer. Il m'a niqué. Bon alors du coup là on est mal là quand même. Merci pour avoir tapé dans le. Ça c'est bien par contre le fait qu'on puisse se taper dedans et booster l'autre. Même si c'est logique parce que ça devrait être ralentir, mais pourtant ça s'en ramasse pas. Alors, missile. Boum, tiens, allez dans sa tronche. Attends, ça l'a pas fait ralentir. Elle est un peu plus acharnée cette partie là, ça se. Il passe devant nous, on passe devant. Ah oh, moi je suis toujours 6ème. Par contre tu te prends un missile, ouais, moi j'étais 2ème, missile. Mince. Ça c'est pour moi, ça c'est de ma faute, ça totalement. Là je suis beaucoup moins bon, hein, mais bon, hein. Ceci dit, c'est comme dans Mario Kart, hein, très rapidement tu passes de premier à dernier. Hein. Parce que tout le monde se colle, là tout le monde est dans un mouchoir de touche, regardez ça, je remonte, regardez ça. Comment ça se fait? T'es pas parti dans l'autre sens, non? Tiens, non, ça c'est bien pour nous, ça. J'arrive pas à voir les glands. Ah, ne dérapez jamais quand vous utilisez un turbo, ça l'annule. Ouais, j'en doute pas. Tiens, arrête ça, attention! Banane! Hop là, il est parti. Attention, Rick, t'as un truc sur ta gueule. Attention, banane en plein milieu, hein! Ballon d'eau! Oh merde!
Ah bah tiens, bah là, il y a... On s'est pris là tous ensemble là. Là il y a eu du fail là je crois là. Attends, là tout le monde oh là, tout le monde se pousse là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, attention, ballon d'eau en face. Ah non, bombe en fait, bombe. Voilà. Sur Rick j'ai balancé la bombe, c'est ça? Oui. Oh putain. Eh premier. Oh, voilà. Oh putain. Eh, on est mieux ou pas là? On est comment? J'ai plus remonté deux places. Là, à mon avis, on a perdu. La bombe à eau a été gadue, on a perdu deux places chacun. Oh putain. C'était n'importe quoi. Ah, j'étais remonté premier. On a encore gagné. On a gagné. Ah, ouais, parce que c'est moi qui ai dû gagner. Ta première place. C'est moi qui ai dû gagner, donc en fait, c'est le premier effectivement qui compte. Ok, je crois que c'était en globalité, on va dire. Et c'est en équipe donc. Voilà, quand c'est en équipe, je suis premier, après, je gagne jamais. Voilà, ça c'est fait. Bien joué. Alors, Gadu a trouvé son jeu. Je précise pour les viewers quand même, j'ai jamais gagné un jeu d'ITS. Et là, on est rendu au 13ème, sachant qu'il y en a 5 ou 6 qu'on a fait hors vidéo qui étaient des blind tests. Donc, le blind test, je suis pas très bon non plus, ceci dit. Et qu'en musique classique, on n'a jamais fait de blind test musique classique, évidemment. Non, F5, hein. Voilà. Et donc, du coup, j'aurais bien voulu, mais là, en fait, on va se séparer, vous allez voir que j'ai plus de premier. C'est parce qu'on est ensemble que je suis premier. C'est parce qu'on court. Peut-être, oui, mais oui, c'est un ensemble. Hey, encore que là, les viewers sont témoins. C'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail d'équipe, clairement. Donc je vous ai pas non plus, j'ai pas joué solo hein, pour gagner. Hein. Ouais, mais là, plus on joue, plus on arrive à identifier les. Et plus on est à l'aise déjà, c'est normal. Hein. Non, mais surtout le fait de se prévenir. Attention, j'ai une banane en plein milieu, tu vois, c'est comme ça. Quoi. C'est important. 4, 4, hein, 4, oh. Attention, boost. Raté, parce que c'est. Je l'ai raté là. Là. Allez, on est équipe rouge. Ouais, par contre, où est les rouges? On est en 4 premiers encore. On est les 4 premiers. Attention. Oh putain, non, alors les viewers, là, ils ont commencé à avoir la chance que j'avais. Oh, deux fois. Alors, fais attention sur le bord de la route quand c'est un peu craquelé. C'est un coup à taper dans le glaçon qui est en dessous. Hein. Je sais pas du tout aller, moi je pense que là, je gagnais, je gagnerai plus. Hein. Ah, c'est sympa, les alliés peuvent boost sur toi pour rentrer plus vite. Alors moi je suis très très mal. Oh. Alors j'ai des boosts hein, heureusement j'arrive à remonter un peu parce que là c'était n'importe quoi. Mais j'avais une bonus là pour Alors, attention au bord de la route hein. Vous mettez bien loin du bord de la route s'il vous plaît. Fais pas comme moi. Alors là je vais tirer sur je sais pas qui. Par contre attends, en fait les glaçons, les aimants c'est pas terrible. Hein. Si, mais faut bien viser quoi. Tu peux plus tourner, mais tu peux plus tourner. Putain, mais dégage de là toi. Ouais, merci. Alors, ça, la navette, du coup, on sait pas ce que ça fait. Je crois que ça ralentit. La soucoupe, ça ralentit, je crois. Cette chose, mais ça ralentit. Oh, devant. Dans la gueule de je sais pas qui là. Buldo. Oh, c'est. Ah, t'es premier. C'est n'importe quoi. Ah, non, Buldo. J'ai mis des barrages. Attention, une banane en plein milieu. Bah j'ai lâché une banane sous moi, j'ai pas mal prendre, dernier, j'étais premier dernier. Ah non, c'est TVA, on peut pas tirer en arrière. Protection. Attention, ici, parce qu'il y a double là. Oh putain. Arrière, attention. Oh. Attention, pardon, je passe. C'est bien, on est bon là, on repasse devant. Voilà, j'en passe premier, ma place habituelle. Banane, attention. Et à moi. J'ai la peine. Non, c'est pas ça. Protection. Vas-y, fonce Gadu. Et encore premier. Voilà. Boum. Oh. Et par contre, ça joue toujours dans un mouchoir de poche. C'est comme Mario Kart, hein. T'as vu, 2 minutes 7 à 2 minutes 12, quoi. Il y a 5 secondes, quoi, tu vois, c'est... Et j'étais dernier, hein, bon. J'étais très mal, hein. J'avais 2 missiles, je savais pas quoi en faire. C'est dommage que je pouvais pas tirer vers l'arrière. On peut peut-être tirer vers l'arrière, mais... Vraiment, hein. J'étais plusieurs fois premier, et quand tu balances une boule d'eau, t'es premier, elle part pas devant. Hein. Ah, oui, ouais, elle part derrière, elle part devant et elle part derrière après. Ouais. Les missiles aussi, c'est assez bizarre. Il y a des trucs, on n'est pas encore expert, hein, je crois. Hein. Bon, bien joué quand même. Mm-hmm. Je vais regarder vite fait dans les manettes là. S'il y a moyen de tirer en arrière, utiliser un objet. Non, il n'y a pas. J'ai regardé, il n'y a pas. Pour les viewers, dans les options, hein, je peux vous montrer les options si vous voulez, comme ça moi vous saurez hein, de quoi on parle. Choisir un objet. Là, dans les commandes, là, ici, là, regardez. On n'a que tourner à droite, tourner à gauche, utiliser un objet, déraper.
retourner au circuit, donc ça c'est quand on commence à tomber dans le vide, voilà, faut le faire. Choisir un objet ou échapper rapide. Et échapper rapide, c'était écrit quoi déjà dessus? C'est quand on est coincé dans un mur aussi en fait. Ouais. Les deux en fait, c'est comme retourner Par exemple, la bulle d'eau, c'est clairement pour s'en sortir, c'est soit tu utilises un bouclier avant, il y a marqué utiliser A si tu en as un, sinon après il te dit de spammer le B. Alors c'est pas comme tout est écrit sur l'écran quoi. C'était pas comme Crash Bandicoot. Non, c'est Crash Bandicoot, Crash Team Racing. Tu sais où t'as une TNT, faut sauter pour essayer de t'en débarrasser. faut essayer de se dégager. Alors, est-ce que je fais une course classique sans objet? Bah essayons, faisons-en une. Faisons-en une. De toute façon, dans les objectifs quotidiens, il fallait qu'on en fasse deux des modes vitesse. On termine deux courses en vitesse. J'ai opté par un petit kart version GTA. Pourquoi t'as vu que t'étais ridicule, c'est ça? Ah, non, c'est parce que j'en avais marre d'être devant toi. Oh, po po po. Je rate mon démarrage. Oh, on part devant, tu vois, mais je suis déjà à mon dernier. J'ai raté mon démarrage. Attention, pas aller trop au bord. Pas trop au bord, hein. Rappelez-vous, mais pas trop au bord. Et essayer de couper les virages aussi, mais attention de pas aller trop au bord quand il y a de la glace là. Ah, y'a pas d'objet. Et puis prenez bien l'aspiration. L'aspiration aussi est super importante, la preuve hein. Voilà, prenez bien les virages sur l'intérieur sans toucher. Oubliez pas que ça s'appelle drift le jeu. Ouais, mais drift ça marche pas. Ouais. Moi j'ai besoin. Si tu serres la corde, ça peut fonctionner. Bah oui, mais serre la corde, t'as besoin de déraper pour serrer la corde, regarde. Je serre la corde, regarde. Mais ça te fait monter ton boost de vite. Attends, mais par contre, on a du turbo, j'avais pas vu qu'on a du turbo moi. Si, de temps en temps, bah quand tu remplis ta jauge. Ouais. Produisant ouais, bien. Depuis tout à l'heure, en fait, j'avais pas de turbo, je me disais, mais attends. Ah, vous êtes où là? Je suis en haut. Ah, bah, maintenant j'ai compris qu'il y a turbo, bah oui, ça m'aide bien, ouais. Par contre, ça joue dans un mouchoir de poche. Bah tiens, Farah du coup et Farah et moi on a compris maintenant que comme il y avait le turbo, bah tout de suite, bah, ça remonte bien là. Et coucou Moku, mets-toi derrière moi. Il faut le bouffer lui. Ouais, bah je suis en train de le bouffer, je suis dessus, j'ai que le cul. Il a mis un turbo là? Non, il a mis un turbo je crois. Mais là il a raté, il a raté le virage. Il a sauté. Oh l'enfoiré, il m'a tapé dedans. Ouais, moi aussi, c'est le décor. Vas-y, Farah, mets-toi devant. Vas-y, pousse-le. Voilà. Mais par contre, tu vois, il reste un devant là que Trix, là, celui-là, je peux pas le l'avoir. Il a remplacé son pote. C'est ça. Bah oui, j'ai l'impression qu'ils sont. Il a sauté justement volontairement. Merci de m'avoir poussé juste avant. En avant. Ouais, dans la deuxième, tu vois. Bon bah voilà, on est perdu. Première défaite. Première défaite. Ah. Bah ouais, là j'ai pété premier donc forcément. Eh putain, t'es vert Eric, même temps. Oui. Regardez. Moi en fait je me suis cogné une fois dans le mur, tout le monde est passé et c'était mort. Ah là là, c'était. Ouais, moi j'étais en plein drift, y'en a un, il m'a tapé dans le cul pendant que j'étais en train de drifter, j'ai fait un tête à queue et voilà. Ça joue à peu de choses quand même, ça joue. Ouais, il y avait une demi-seconde hein. Ce que je disais, c'est ça joue d'un mouchoir de poche quoi. Les courses de vitesse, là c'est moins palpitant que les bonus, mais bon. Après c'est le jeu hein, les vieux, vraiment vous aurez vu tous les modes, de toute façon c'est dur tellement, c'est dur 2 minutes là. On est rendu à 4 courses, c'est ça? 4 courses, on a fait 4 courses, bah 4 courses en un quart d'heure, même pas. Vite, hein, donc ça va super vite, hein, donc prêt tout de suite. Par contre ça m'a l'air un peu répétitif là, il y a vraiment d'autres modes là. Bon, on fait une vitesse hein. En seul et tout, là c'est vitesse. Ouais, ok, ça marche. Moi j'ai perdu de la vitesse aussi, j'avais pas vu qu'on pouvait avoir le turbo là. En fait faut réussir à faire des bons drifts pour avoir un turbo bonus et là tu peux tracer. Ah d'accord. Un tour en cumulant des boosts. Voilà à quoi sert le dérapage d'avoir des turbos. T'as la jauge jaune c'est en avançant et t'as la jaune bleue. Jauge bleue c'est quand tu driftes. Ouais mais comme quoi c'est pas vraiment très utile à la preuve hein. Bah tiens j'ai pas raté mon départ pour une fois tiens. Ah par contre c'est la course facile ça fera. T'as jamais à déraper dans celle-là en théorie. Là, je te pousse un peu là. Voilà, ligne droite. Non, tu passes pas devant toi. Voilà, tu restes derrière. Merci. En même temps, je le booste, mais au moins il passe pas. Là, il va rachirer. Faut prendre extérieur, intérieur, extérieur, tu vois. Parce que regardez, tout le monde se plante. Bah voilà, tout le monde se plante. Oh, prévenu, j'ai perdu la moitié de mon boost parce que quelqu'un m'a tapé.
Y'a pas de vrai qui on a pas freiné sur celle-là. Non, non, il faut prendre. C'est ce que je viens de dire, il faut prendre intérieur, extérieur, intérieur. C'est le seul virage qui est tendu. Mais si vous le prenez bien, moi j'ai pas freiné, j'ai pas dérapé. Hein. Donc voilà. Putain, un gadu il trace alors que. Bah... Voilà. Voilà, le virage là qui arrive là sur le pont là. Vous prenez bien l'extérieur, vous coupez le virage et normalement ça passe tout seul. Vous avez à peine à couper quand je dis ça. Hein. Voilà, là c'est des trucs parfaits. Le problème c'est que j'ai pas d'aspiration contrairement à vous. En fait, je sais pas à quoi sert la jauge bleue parce que je l'ai atteint en max, j'ai pas eu de boost. Ouais, et moi dès que j'ai un turbo, hein, je balance. Hein. Enfin, dès que j'ai un turbo, non, pas tout à fait. Des fois. On a moyen de. Voilà, c'est bien serré. Hein. Voilà, le nouveau virage sur le pont. Hein. Bien intérieur, extérieur, intérieur. Voilà. Intérieur, extérieur. Pardon. Extérieur, intérieur, extérieur. Voilà. J'ai réussi un peu à remonter, mais c'est pas fou. Hein. Ouais, là c'est. Je vois pas l'intérêt de la jauge bleue parce que tu gagnes pas de boost en faisant des dérapages. Ouais. Oui, toujours les dérapages. Et dans Mario, ça te boostait hein, les dérapages. Mmh. Oui, bah, dès que bah, ça radérait, ça te boostait à fond. Mais là. Juste le dérapage. Bah oui, et le dérapage, c'était à coûté. Donc du coup, oui, tu récupères à peine ce que t'as. Bon, bref, on aura encore gagné. C'est principal, non? Ouais. Mmh. Encore une victoire de nullard. Parce que moi, j'ai un N. T'as gagné 20 RP. Ça y est, défi accompli. Ah. Oui, là, normalement, alors les viewers, normalement, puisqu'on obtient des défis, normalement. Non, mais il me reste une encore pour avoir la, pour 7 sur 8 ouais, courses. Participer hein. À 9 courses. Bah, moi j'ai 7 sur 8, donc j'ai dû faire une course en moins que vous. Participe à moi, 4 c'est courses. C'est 7 sur 9. 4 ah, courses, mais je suis à 2 sur 4. Ouais, c'est des courses en solo qu'il faut faire. Ouais, mais défi quotidien, là, participe à 8 courses, j'en ai fait 7 sur 8, donc ça c'est sûr ça marche. Solo, effectivement, terminer 3 courses. Bon, bref, c'est pas le sujet. Avançons, hein, écoutez, on est là pour le fun de toute façon. Bah. Par contre, c'est quand même mieux que les objets. Hein. Bah, ouais, c'est clair, parce que sinon, il n'y a pas d'objectif là, tu vois. Tu fais parce qu'après, il y a genre un truc qui s'appelle permis mais, et contre la montre, mais ça, c'est en jouant solo, je crois. Alors, le contre la montre, je l'ai fait moi. Et bah, c'est typiquement faire la course qu'on vient de faire. Bon, il y a pas de bonus, c'est rien, t'es tout seul. Donc, Ouais, donc, ouais, aucun intérêt. Ouais. Non, c'est quand même marrant, c'est quand même bien fait, mais c'est vrai que sans objet, non, c'est pas bien. Il y a peut-être pas assez de risques aussi, les circuits sont vraiment beaucoup trop simples. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont verrouillés encore. Moi j'ai regardé vite fait, en fait, là on fait que les premiers, donc les premiers voilà sont relativement faciles. Les derniers sont niveau plus durs. Non, bah, non. Je pense que c'est une question de. Faut vous jouer en contre la monstre, un truc comme ça, ou faut les débloquer parce qu'il y a un petit cadenas dessus. Ou alors faut. Ouais, mais est-ce qu'il y a un petit cadenas parce qu'ils sont pas encore dispo bah, ou est-ce qu'il faut les débloquer? Il n'y a pas de conditions? Je sais pas, j'ai pas. Faudrait que vous alliez voir. Tu vois, on a déjà fait celui-là. On a déjà fait celui-là, non? Alors Farah, directement devant, je vais Farah. Ah tiens, il y a une bulle d'eau. Alors attention. Petite banane. Bulle d'eau. Je sais pas ce que ça a fait. Ah j'ai touché. Farah. Attends, c'est moi ça la bulle d'eau. Je pense. Je suis derrière TVH. Oh putain. Alors bien. Oh c'était super, ça, bien, là. Super bien posé. Ouais super bien posé. Ah, mais ouais. Là on est tous premiers hein. Allez, on a encore la même équipe devant là, donc c'est parfait. Ce qui est sûr, c'est que je suis plus c'est normal. Pot de banane au milieu. Vas-y. Ah oui, y'a plus de plan. Putain, mais TVH, il me l'a jeté sur la gueule carrément. Attention, je prends la. Non, ok, je vais prendre celle-là, c'est pas grave. Je prends fabrique. Ah, deuxième tour. Oula, pourquoi t'es ciblé là? Oh. T'as pris un bonus. Hein. Tiens, ça nous servira tous, ça non? Merci. Ça va te défendre, je pense. Non, ah, la soucoupe te chope quand même avec un clé. C'est une saloperie ça. Attention, protection parce qu'on sait jamais. Eh bien super bien fait, à part ça c'est très joli hein, le coin. Oui. J'aime beaucoup les graphismes aussi, hein. C'est vrai qu'on est moins dans l'environnement de Mario. Attention à la peau de banane, juste après le virage. Ah non. Je me suis dit que ça allait, j'allais échapper. Bah oui, on met pas ça là, surtout quand on est derrière. Alors là j'ai pris 3 coups d'affilée, hein. je suis rentré dans quelque chose. Voilà. Et là ils ont tous des bonus là, mais ils sont derrière vous. Voilà, donc je repasse devant, parce que là je vous disais aussi il y a une hiérarchie quand même. Fais un petit coup de soucoupe aussi dans la tronche. Hein. Voilà, attention, ah c'est pour moi ça. Aussi, et vous remarquerez que on voit nos gadgets. Pour info aussi, ah, là quand on se prend une bulle d'eau là, quand on se prend un missile, est-ce que vous avez remarqué qu'on peut faire droite-gauche? Oui. C'est droite-gauche à fond. Alors moi les 4 je vais doubler là. Tu peux choisir de l'envoyer derrière la bulle d'eau, hein. J'ai mis le joystick vers le bas. Pareil, et elle est partie derrière.
Bon, alors il me colle au cul, hein. Il me colle au cul, donc je suis juste devant eux, j'essaie de les pousser ouais, pour qu'ils t'aillent derrière là. Ouh. Attention, j'ai balancé une bombe d'eau. J'ai vu du ping-pong. Mais elle a dû par merde. Derrière. Ah non, c'était bon, ouais, d'accord, ok, bah tiens, la deuxième est pourrie. Gadu, il a foiré. Ah bah merci. Hein. Non mais franchement. Non mais j'ai pas fait exprès, je vous assure, j'ai pas fait exprès. Juste à cause de toi, putain. Gadu, il a vu. Hey. Gadu, il a foiré. On change pas une équipe qui gagne, regardez, je suis toujours été premier. Les viewers, oh là là. Votre avis sur la situation alors, de Gadu qui a pourri toute son équipe. On fait gaffe à pas se tirer dessus. Je suis d'accord, j'ai niqué les trois devant moi. Là, j'avoue, là, je vous ai niqué tous les trois. Mais je pensais que ça allait balancer derrière en fait. Non, bah si tu utilises pas ton joystick vers l'arrière, non. Et quand j'ai dit pour Rick, c'est une blague, mais en fait, il l'a vraiment fait. Je suis désolé. Attendez. Plus sérieusement, on a fait 5 parties où on a gagné. Les 5 parties, j'étais premier. Il fallait que je sois encore premier. Ouais. C'est pas une bonne mentalité, ça. Et pour qui la couronne, Scoozie ? Hein ? Pour moi, hein. Apparemment, il y a une équipe dans l'équipe. On a dit au début que c'était un truc d'équipe, donc au final. Ouais, ouais. Oui, je sais bien. Bon, ça va. Oh là là. C'est-à-dire qu'il y a Gadu, il y a nous et il y a les autres. C'est ça. vous vous rendez compte quand même ? Je vous ai niqué vous trois, plus les 4 autres. La personne a fait ça encore, hein. Celui qui est derrière. Il est passé. Ah non, c'est TVH, c'est TVH, j'ai peur. Devant, là, on est TVH. Attention, banane, hein. Banane, attention, de mon côté. Banane. Non. On est banane. Devant toi. Olé. Banane. Turbo, tiens, allez. Oula. Attention, bon bah. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh putain, j'ai eu peur. Attention, je balance un extraterrestre sur l'entronche. Je sais pas ce que ça a fait, mais j'imagine que ça a dû marcher. Ici, ça ralentit. Oh putain. Extraterrestre. Alors là, il y a tout eu là. Voilà, il y a eu des aimants, il y a tout eu la joie. Ils sont en train de faire n'importe quoi derrière. Oula, il y en a qui étaient chopés juste derrière moi. Les côtés sont énormes. Ah bon, c'est pas pour ça mal regarder. Attention, alors bulldo derrière. Tiens, elle est partie derrière ou elle est partie sur Rick là? Putain, me dis pas qu'elle est partie sur Rick. J'ai bien fait la flèche du bas, Rick. J'ai bien fait la flèche du bas. Attends, là j'ai un missile, mais là le missile faut attendre qu'il y ait quelqu'un dessus parce que. Il a le camion de pompier. Oh. Il a changé. Mais ils ont fini avec les aimants. Je me fais spammer. Ah, il s'est pris la bombe à eau. Alors, lui là, toi, tiens. Oh putain. Tiens, dessus là. Qui a mis les murs? Mais qui met les murs? Voilà, je crois que j'ai touché Rum machin. Ouf. Voilà, c'est bon, on repasse devant. Attention, bombe à eau. Bombe à eau, mais attention, je la balance. Je la balance devant. Rick, tourne. Rick, il se met vite. Il a pris une protection maintenant. Une anti-gadache, il a pris. Bombao, attention! Là, j'espère que ça a paniqué tout le monde. Dites-moi que ça a paniqué tout le monde. Rebombao encore, que je relance derrière. Là, j'ai bien fait la flèche du bas, là. Ça a rien fait, ça. Oh, y'a un mec qui est en fauteuil roulant. Enfin, en fauteuil roulant. En tapis volant. Merde, Bombao, j'ai mal lancé. Rick, désolé. Voilà, gagne encore premier, ça c'est Rick. Fait. Merci Rick. Rick il est gentil. Rick il a bloqué tes biens chez moi pour laisser passer Gadu. Oui, et en plus il s'est laissé doubler par moi en plus. Rick, parce qu'il a raté le virage. Et à la partie juste avant, il disait oh putain, Gadu, t'exagères quand même. Mais non, je l'ai envoyé derrière, ça a pas marché. Ouais. Non, alors, attendez, comment t'envoies derrière Rick? Parce que moi je fais bas à chaque fois, je crois que je suis niqué. Je le mets vers le bas et je tire derrière. Moi j'ai appuyé sur la flèche du bas donc j'ai freiné carrément. Ça a marché miraculeusement tout à l'heure. Ça marche pas. Là ça marche pas clairement. Mais non, mais moi aussi, il y a un moment j'ai tiré en arrière. Mais là, jamais. C'est que Farah et moi qui sommes sérieux au volant ensemble. Oui, alors c'était un accident. Ouais. Pas prémédité. Mais c'était magnifique. J'aurais pas laissé passer Gadu pour autant sinon. Bah c'était magnifique. J'étais dernier parmi nous quatre. C'est justement parce que j'ai levé le pied pour vous. Il est passé. Moi. T'as pas levé le pied, j'ai pris le virage sur l'intérieur. Eh oh, tout le monde a vu. Hein. Ouais, j'ai levé le pied, ouais, j'ai fait exprès. Si, j'étais plus concentré. Oui, alors tu vas me dire que TVH et Farah, ils ont aussi fait exprès d'aller dans la bulle d'eau pour me laisser passer. Hein? C'est ça? Non, mais c'est vrai que j'étais plus concentré. Ouais, alors centré, tu l'étais, con, je. Ouais. On Non mais c'est vrai que c'est bulldo là, c'est traite parce que tu peux très bien la balancer sur tes potes. Moi j'en ai balancé plein hein. Et je sais que je crois que ça a touché Rick.
Il y en a une, je crois, t'as retourné quand j'ai dit attention, je tiens, je t'ai vu voler. Ouais, non, mais je suis sûr, c'est moi. C'est moi qui ai dû la prendre, qui ai dû te l'envoyer. Mais c'est très con parce que du coup, on attend que les autres y arrivent devant nous. Enfin, c'est ridicule. Parce que moi, jamais coup, on débarrasse. Tu peux jamais t'en servir si ça tire que devant et que c'est tes potes qui sont devant. Surtout, ce qui est dommage, c'est que les bulles de limite, elles devraient prendre en compte que l'ennemi. Quoi. Faudrait m'en jeter au minimum. Mes deux missiles tout à l'heure, j'étais derrière vous, je pouvais rien faire avec mes missiles. Sauf si vous me laissez doubler éventuellement. Ah ouais, les missiles décoincés, ouais. Là, ça. Ah bah tiens, on a bien démarré alors. Joli fort. Ouais, je pourrais dire. Attention, ne pas les trop au bord. Hein. Et là, bah, y a des pecs qui s'y fait toucher. Là, ça. Ne pas les toucher au bord parce que si vous tapez sur la petite. Dans les fissures là, ça vous arrête net. Hein. Tiens, attention, bonne chance. Attention, bouledo. Oh là. Voilà. Alors, c'est qui là? Non mais ça a niqué toi et un autre. Enfin, t'inquiète pas, c'est pas 100%. Hein. Bah là, le problème c'est que tu peux pas trop viser en fait quand c'est comme ça. Hein. Touché. Tiens, ça vient de tirer derrière. Rick, il vient de tirer sur quelqu'un qui était derrière. Tiens, ah bah ouais, bah, j'ai rien visé. Ouais, bah je sais pas si ça tire derrière. Merci pour la protection, c'est très aimable. Buldo, hein. Buldo, attention devant vous. Hop. Attention. Ah bah non, c'est un missile, c'est un équipement voisin. Dans 4 secondes, Gadu me balance une buldo, il passe premier. Non, ça fait pas ça. Oh la buldo, seulement. Oh là là. Oh, mais lance une buldo, mais c'est pour eux normalement. Eh, on dit buldo, ok, putain, la bombe à eau, mais c'est pas grave. Attention les murs. Ouais, putain, murs. Là, j'ai mis des murs, c'est moi qui ai mis les murs, c'était bien vu là. Ok. Beaucoup, hein. Bah c'est eux qui sont premiers, regarde, il y a quelques TVH. Quelqu'un m'a tapé dedans, heureusement. Ouais, c'est moi. Oh, je vais mettre des murs, c'est vous qui êtes devant ou non? Oh putain, on est derrière. Ouais, là, on est mal, hein. Buldo, tu vois la vidéo en plus des mecs qui se tapent pas. Alors là, je crois que je me suis pris la propre bombe, j'ai l'impression. Hop là, banane en tranche. Alors moi, je suis dernier, là, ou presque, avant-dernier. Oh, l'élément, je l'ai utilisé au bon moment. Tiens, l'assaut. Ah bah, je suis bon dernier. Ne pas aller trop au bord, s'il vous plaît, hein, faut vraiment éviter les... Mais si c'est les ennemis classiques, ok. Putain, la buldo. Tiens, rien. Ah, elle était finie, là. La banane. Bon, TVH est encore premier. TVH est encore premier, yes. Ouais, pas pour longtemps, Gadu, il va me balancer une buldo. Putain, j'ai balancé une buldo en plus, non. Il dégage. Eh, j'ai balancé une buldo, mais c'est de la chance. Putain, buldo encore. C'est pour toi, hein. Putain, c'est pour ma gueule, ça. Ah, tu vois, je me suis pris un missile. Oh merci Eric. Et moi la première place. Voilà. On voit un gadu. Tu me rends pas sa beauté. Le principal. Une banane. Eh, ça les a stoppés juste avant, t'as vu. On met dans le trou. J'ai même pas fini. Ah, Eric, il a fini à moins 172 mètres en fait. Ah oui, ça a stoppé carrément. On fond dans le trou. Bon, bah c'était une partie intéressante. Pour une fois, j'ai terminé deuxième de l'équipe. Je vous dis bravo, après bon, t'es troisième, on peut pas tout non plus réussir nickel. Hein. Et après, six parties premiers quand même, hein. sur les 8, hein. 6 parties premiers sur les 8 quand même. Bon, je sais qu'il y en a où Rick m'a aidé. J'avais Gadu derrière moi, attention, j'ai balancé une bulldo, j'avais deux boucliers. Bah oui, mais n'empêche que je l'ai balancé, je crois que ça t'a pas visé toi. Hein. Non, mais. C'est bizarre, hein, parce que j'en ai eu deux d'affilée, j'ai dit attention pour les deux. Hein. Ça dépend, si t'as le bulle de dialogue, trois petits points, c'est en fait tu le balances pas. En fait, c'était une bulle avec des petites ailes. Ça vise que les ennemis. Bah c'est ça. Bah voilà. Ok. Je crois que ça vise le premier. Il y en avait deux. Ouais, j'ai pas tout compris sur les bonus. Bon, les viewers, après, vous regarderez bien dans le détail, ça vous plaît. Hein. Si vous connaissez le jeu, vous mettrez en commentaire ce qui a paru bizarre ou. Oh non. Là où j'ai eu de la chance, parce que du coup, moi, j'ai pas le temps de tout voir. Je balance tout ce que je peux. Mais non, mais les bulles d'eau, t'es bien obligé de t'en débarrasser. Sinon, t'as plus de bonus. C'est très con, mais t'es obligé, quoi. Ouais, enfin, quand t'as pas le choix, parce que sinon t'as un deuxième emplacement. Oui, mais quand t'as les deux emplacements pris, parce que t'avais les bonus quand t'es dans les premiers, mais c'est vrai que t'as pas l'habitude, mais... je rigole. Et au début, c'était qui était tout le temps devant. C'est vrai. Ah, là, j'étais moins bon. Hein. Ouais, ouais. Je m'en fous, là, j'ai fait mon nombre de parties premier, moi, ça me va très bien. Les viewers sont témoins. De toute façon, je mettrai la miniature avec premier, c'est très clair. C'est parti. Non, tu me laisses. Je t'ai poussé, toi, rien. Allez, TVH. Allez, TVH. 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 Missile, TVH. TVH. Ouh, banane. Allez, dans sa tronche. Et bulle, attention. Bulle en face. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah non, je suis gros de douche. On a gagné. Missile. Ok, alors je crois que je me suis pris. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a mis le missile. Oh là, ah oui, pour info tout à l'heure, c'est Rick qui m'a mis le missile. Non, pas missile.
C'est vrai qu'il m'a mis le missile tout à l'heure au passage. Oh bah là je suis dans les nerfs. C'était pas. Bah je suis dernier Morane. Non mais c'est pas grave, tu peux remonter facilement, il reste encore deux tours. Hein. Le nombre de parties moi, où c'était comme ça. Bah je pense aussi que le niveau augmente. Ils doivent essayer de te mettre des mecs avec un niveau adapté. Je me suis pris ma propre bulle, c'est pas possible. Oui, des fois j'ai l'impression que tu prends tes propres bulles. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est monté sur moi. Tiens, un missile qui reste sur la tronche, ouais, ça j'ai rien pu faire. Oh, il m'a pris en plus le bonus devant. Ouais, c'est vrai que je crois que les équipes sont plus dures hein, comparé à ce qu'on avait au début. Attends, au début c'est n'importe quoi. Et encore, hein, on fait des courses parce qu'on est 4 en équipe. Hein. Après, il y a des courses solo et en duo. Merci Clara, je vais pousser en même temps. En duo, ça doit être plus chaud. Tu feras. Oh la banane, tiens. T'as un bulldo. J'ai bien passé une bulldo. Je suis pas sur qui. Ouais. Oh non, sur Farah, non, vas-y, tu déconnes. Je me suis pris un éclair. Non, mais tout le monde s'est pris un éclair. Je crois que, là, en fait, ouais. Il y a n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qui se passe là. T'as vu, c'est eux qui sont premiers. Et là, eux, ils jouent bien. Attends, missile, tiens. Ça l'a tué, ça. Ouais, ça l'a touché. Bon, par contre, on est mal là, regardez. Et ils sont juste devant. C'est tendu. Oh putain, j'en passe premier. Oh putain, banane. Ah là là, il va me doubler. Je laisse pas me doubler. Je vais pas me doubler. Ah là là, merde, non. Non, vas-y, c'est abusé. Oh que c'est abusé ça. Ah ouais, non, mais là, j'ai essayé de bloquer tout le monde, tu vois. Regarde ça. Mais pourquoi t'as voulu bloquer? Je t'ai dit, je suis derrière toi, Farah, t'es à ta gauche, moi je suis à ta droite. Non, mais attends, il y avait aussi Kilkos qui était là. Et je savais pas qui était qui moi. Moi j'ai vu un rouge hein. J'ai vu un rouge, j'ai dit hop là, c'est l'ennemi. Oh là là, Gadu il a perdu. Bah Gadu il a perdu, mais je m'en fous aussi. Sur les 9 parties qu'on a fait là, j'en ai gagné 6 à moi tout seul. Ouais, mais là le niveau il monte hein. Oui, le niveau monte, c'est plus la même. Je suis quasiment sûr, ouais. Là au début on était contre débutants, donc forcément. Ouais, et comme on n'était pas mauvais au début. Bon voilà. Bah du coup là, ça me plaît moins, du coup on va se laisser ici et c'est dire. On va faire une dixième quand même, allez, une dixième. Bah tiens, le problème c'est que ça devient répétitif, donc on va s'arrêter après, quand même après. Tu montreras aux viewers les circuits là débloqués là. Les victoires en gros plan. Alors après il y a peut-être des circuits qui se jouent sans gros plan ou à deux ou. Ouais, mais si on n'est pas en groupe, il y a peu de chances qu'on arrive à jouer les uns contre les autres. On pourrait essayer d'en lancer une comme ça, mais. Par contre il faudrait peut-être qu'on en fasse une à 4, parce qu'on peut voir qui va remporter la coupe. Je sais pas si on peut faire une partie perso, obligatoirement en équipe, je crois. Je crois qu'on est toujours 8 dans les circuits. Après on peut faire ça les meilleurs en avant, tout de suite. Voilà. Le problème c'est que j'ai un missile déjà, ouais, ça me sert. Merde, non, tu vois, la bulle elle part devant. Hein. Ouais, bah, il y a que 2-3 devant. Banane. Là j'ai un missile là, on va changer ça, les viewers. Enfin, missile. Oula. En fait, faut jamais être sur le milieu du circuit, faut toujours être dans les. Défara. Là j'ai mis un. Attends, alors du coup là il faut que j'utilise mon missile. Je vais tirer sur l'autre. Au fond, là, lui. Enfin, c'est impensable. Voilà. Oh putain. Eh par contre il est génial. J'ai touché Rick avec ma banane. Ça c'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Excuse-moi. Oh t'as, ça c'est pour TVH. Oh mais merde. Bien joué. Ah merde, je crois que c'est moi, merde. C'est pas toi qui étais visé. Non mais il s'est défendu. J'ai plus des shields. Ouais. Mais il y en a un qui va te. Ouais, merde, pour le gagner. Plus pour longtemps. Merde, je suis parti dans le décor. Tiens, j'ai balancé un. C'est qui est derrière moi là? C'est TVH? C'est moi. Attention, je pense que c'est une banane. Une banane, c'est pas trop grave. Genre, dérapage, en fiche. Attention, banane derrière moi. Hein. Banane. C'est deux bananes d'affilée. Ouais, on a mis deux bananes juste devant le tour. Il y en a qui me colle au cul, Vas-y, aspiration, j'ai là. Vas-y. J'ai pris les mains sur Gadu. Aspiration encore. Ouais, entre nous deux, c'est une aspiration là. Tiens, on est les 4 premiers. Hein. Ouais. Bah, tiens, défense, on peut s'aspirer entre nous. Ah putain, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça. Et c'est dans quel film que j'avais vu ça, il repasse devant là. Tiens, bombe d'eau. J'essaie de tirer là-bas ou derrière. Non, t'inquiète, c'est pas lancé. Ça marche pas. Si, je crois qu'elle est partie derrière. Elle est pour moi. Non, ah moi merde, j'ai vu Gadu qui avait les 3 petits points, mais ça n'a pas lancé. Oh
Banane, banane en plein milieu du pont. Salut. Salut. Voilà, on a retrouvé la hiérarchie normale. Voilà. Et ben voilà, ça aurait été au tour d'avant, c'était mieux. Ouais, et c'est bizarre parce que là, je crois qu'en fait, on a régressé. Ils ont dû se dire, oh là, c'est trop dur pour eux, on va les mettre. Ils sont pas classés. Ils sont même pas finis, eux. Oui, c'est vrai, parce que. On était trop bons, si tu veux que je te dise. C'était trop bon. Bon, et ben voilà, alors n'empêche que j'ai kiffé parce que j'ai quand même gagné pas mal de parties, mais honnêtement, il manque un petit quelque chose quand même. Malgré qu'il soit très bien, c'est juste qu'il manque un peu d'action parce que c'est un peu vide en fait. J'ai l'impression. C'est le truc que je dirais, hein, parce qu'à part ça, il n'y a pas de bug, il n'y a rien, c'est plutôt clean, c'est pas mal. Et le fait qu'on puisse pas tirer en arrière aussi, parce que vous avez vu qu'on rapidement on est coincé. Hein. C'est juste ça qui compte. Deux contre deux et de tenter d'être ensemble. Bien tenter, parce que la chance est moins. En faisant deux teams, et puis ouais. On essaye. Oh non, c'est mort, hein. On n'y arrivera jamais. Hein. Comment tu veux qu'on se rejoigne? Bah, on lance en même temps. Ah, par contre, ça. Oui. Alors, comment tu veux qu'on procède? Bah, on fait un compte en gros et on essaie de lancer en même temps et on espère que. On lance au même moment. Alors, attends, déjà, comment tu quittes le groupe sans quitter tout le jeu? Attends, sinon, je quitte. Tu restes avec Rick. Tu restes là, Rick? Ah, oui, d'accord, comme ça on garde le truc à deux. Ouais, dans ce cas-là, ouais, tu t'invites avec. Ouais, vas-y, bah faisons ça, ouais. Soyons fous. Parce que j'ai merdé, moi j'ai quitté le jeu complet. Ah, bon, je t'attends deux. Voilà. Encore une fois, tu vois, même le jeu il me le dit. Gadu est devenu le chef. Enfin, on sait tous, hein, c'est. Mais ça, ah ouais, j'ai vu ça les bombes à haut. Je peux être fier, hein, sur tous les jeux du tiers, je serai bon à ce jeu-là. Oui, voilà. Alors, comment il s'appelle déjà? Que c'est on te donnera la coupe comme ça. Vas-y. T'es la seule fois que tu l'auras. Kart Rider, je sais pas ça. Comment on fait Rick pour. Non, c'est Kart Rider Drift. Ça. Oui. Kart Rider. Comment on fait pour choisir la partie? Pour lancer une partie? Faut que tout le monde soit prêt et après tu choisis le mode. Je suis match rapide. Non, c'est quoi? Changer de mode? Attends. Le mode, on met quoi? En même temps, tiens, ils vont voir. Ah bah ouais, objet duo. Ah oui, non, objet duo, d'accord, ok. Donc c'est mode objet, hein, c'est mode objet. Et je suis commencé la recherche de partie là. Vous êtes prêts? Attends, t'as mis en duo, c'est ça? T'as décoché objet en équipe? Non. Est-ce que là, il est décoché. Parce que sinon tu fais objet duo ou objet en équipe. Bah là c'est objet duo, c'est décoché. Ouais. Ok. Prêt? Je suis commencé la recherche, c'est ça. Quand on a fini le prêt, c'est ça? Ouais. Ok. On fait 3, 2, 1 et on clique sur commencer la recherche. Vas-y, je t'en prie. 3, 2, 1. Commencez la recherche. Et c'est peu probable, s'il y a beaucoup partie de joueurs. Non. Bon, tant pis. Entrez dans la partie. Ah bah nous on n'est pas. Bah si, nous aussi, ça fait entrer dans la partie. Mais... Oui, vous, pas nous. Moi, c'est pas grave, mais au moins vous allez pouvoir tester un ou deux. Partie trouvée. Comment ça donne? Ah merde. Et là, on n'est pas ensemble, malheureusement. Ouais, vous n'êtes pas avec nous, ouais. Merde. Bon, bah c'est très allez. Très aléatoire. Il y a des chances que ça. Voilà, mais. Une partie à deux, Rick, voilà, juste pour le fun. Objet duo. Mais bon, on va les fumer. Et maintenant, c'est marrant, c'est pas, il y a 4 équipes. Oui, il y a 4 équipes de 2 parce qu'il y a toujours 8 joueurs. Ah, c'est peut-être plus sympa à équipe de 2 ou tout ça. J'ai mis des choses. Il y avait une plaque de. Il y a de l'essence et il y a. Ouais, mais ça bouge beaucoup plus, j'ai l'impression. Oui, ça se tamponne là. Parce que je suis peut-être plus derrière ou parce que la route est plus. Ah, dans ta gueule, des bananes. Le premier. Ouais, Rick, je te vois devant. Bah, effectivement, je suis pas très loin derrière toi, hein. Mais en réalité, Rick en fait, je suis pas très loin, mais. Ah, ça, je suis avant-dernier. Je volante, je me fais embarquer. Je suis dernier. Et là, je vais monter le premier, je l'ai éjecté au passage. Hop là, non. Ah putain, le bouclier marche pas avec la soucoupe volante. Non, la soucoupe volante est en ruine. Ah, ça, c'est... Du coup, je suis passé dernier, j'étais premier. Genre. Cadeau. Bah, mais regarde, moi, je suis passé premier aussi maintenant, tiens. Voilà. Tiens, viens de pousser là. C'est devant. Tiens, toi, dans ta tronche. Oh merde. Il s'est arrêté. Là, c'est bon, les deux premiers, Eric. C'est bien. Défense. Merde. Attention, bulldo. Ah, je balance une banane au moment où je me prends un missile. Est-ce que ça empêche le... Tiens, il balance une soucoupe dans la tronche. Est-ce que ça empêche le... Attends, j'ai un missile dans la tronche. Ah, t'as un missile et une soucoupe, tiens, t'inquiète. Ah, merde, putain. Donc je disais, est-ce que l'aimant, ça nous enlève quand on met une protection? L'aimant qu'on a sur. Normalement, l'aimant ne peut pas être contré, ça permet juste d'avancer plus vite. Ouais, donc ça te ralentit pas toi, quoi.
Ah, c'est, du coup, ça sert à quoi de te dire que t'as quelqu'un? Oui, c'est jamais. C'est juste pour dire que quelqu'un approche. Mur et bombe à haut. Bon, bah, pas mal, je crois qu'on a perdu. Une banane. Tiens, une bombe devant. Oh, tiens, tout le monde va dedans. Enfin, au moins, c'est maximum 2, je crois. Oula, c'est n'importe quoi là. Oh. J'ai une merde de pas prendre de bonus. Alors, j'ai qu'à remettre en travers de la route là. J'ai une protection. Protection, c'est bon, ça rentre. C'est n'importe quoi, eh, franchement, c'est n'importe quoi. Oh, y'a tout eu, j'étais premier, je suis passé directement 5ème, tu vois. J'ai pris le mur que quelqu'un envoyé, t'as rebondi sur l'autre. J'étais premier, je me prends deux trucs dans la gueule. Je suis 5ème, regarde, y'a même pas une demi-seconde. Y'a du nul. Ouais. Ah non, je suis premier entre Rick et moi, c'est principal. Nous, on a gagné. J'ai été plus souvent premier, je crois, de la course que toi. Oui, c'est sûr. Bah non, non, y'a un moment, j'étais bien premier, hein. Non, je pense que c'est à vérifier, mais on doit être à peu près kiffé. Bon, les viewers diront dans les commentaires. Mais voilà. Bref, on va se laisser ici, les viewers. Parce que c'est moins intéressant à deux. Effectivement, à quatre, en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ouais. J'espère que vous avez kiffé. Ouais, parce que t'en as trois qui bossent pour toi. Non, j'aime bien surtout quand Rick nique les deux autres et me laisse passer. Non, c'est J'espère que ça vous aura plu, les viewers. J'espère que vous viendrez pour les prochains jeux du TeamSpeak si vraiment vous trouvez que c'était intéressant et qu'on puisse jouer ensemble. Encore une fois, sur le jeu qu'on aura décidé ou que vous vous proposerez aussi, hein, parce que ça, vous êtes libre aussi de proposer des jeux. Toujours intéressant. Et sur le forum. Et donc voilà, bah, du coup, vous avez les liens en description. Et nous, on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.